Comment avoir de bons alignements et une bonne posture en Pilates? Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir une bonne posture en Pilates. Avoir de bons alignements vous permet d'engager les muscles stabilisateurs de votre centre et d'avoir une respiration efficace. Cela permettra à tous les muscles de fonctionner correctement et de façon sécuritaire. Dans la vie quotidienne, il est important d'avoir une bonne posture. Cela vous permettra de respirer efficacement, de ne pas avoir de pression inutile sur vos articulations et ensuite d'être stable dans vos appuis et dans vos déplacements. Faisons un petit exercice ensemble pour apprendre à avoir de bons alignements. Voici comment bien se tenir debout. Alors, position de départ, placez-vous donc debout, pieds écartés de la largeur des hanches, les orteils dirigés vers l'avant et les genoux légèrement fléchis. Les bras sont le long du corps. Au niveau de l'équilibre, amenez le poids du corps vers l'avant, donc sur les orteils, sans décoller les talons, puis amenez le poids du corps ensuite vers l'arrière, donc sur les talons, sans décoller les orteils. Répétez l'exercice encore deux fois. Amenez le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Le poids du corps sur les orteils, puis sur les talons. Stabilisez ensuite le poids du corps au milieu. Le poids du corps est réparti également sur vos pieds. Connectez-vous au sol avec ce triangle. Gros orteil, petit orteil et le centre du talon. Au niveau du placement du bassin, placez les mains sur votre bassin. Imaginez tenir un seau d'eau entre vos mains. Basculez le bassin de façon à faire tomber de l'eau vers l'avant. Le bas du dos, va s'arquer légèrement. Basculez ensuite le bassin de façon à faire tomber le seau d'eau, à faire tomber de l'eau du seau vers l'arrière. Le bas du dos s'arrondit. Continuez à basculer le bassin en avant et en arrière. Alternez les deux mouvements. Terminez en basculant le bassin vers l'arrière. Sentez la partie basse des abdominaux contractés ainsi que les fesses. Desserrez les abdos et les fesses et amenez le bassin au milieu en position intermédiaire. L'eau au niveau du seau est stable, c'est votre position neutre. Pour l'engagement du centre, engagez le plancher pelvien. Imaginez que vous retenez un gaz et une envie d'uriner. Engagez ensuite les muscles abdominaux profonds, c'est-à-dire rentrez le ventre et resserrez légèrement la taille. Allongez votre colonne vertébrale et imaginez qu'un fil est posé sur votre tête. Hop. Grandissez-vous. Imaginez que vous êtes suspendu au plafond par un fil et qu'un livre est posé sur votre tête. Tirez le coccyx et la tête dans des directions opposées. Laissez les bras pendre. Reculez légèrement les épaules et ouvrez la poitrine. Détendez les muscles de la mâchoire et regardez loin devant. Respirez normalement. Et voilà, vous êtes prêt à renforcer votre corps. En Pilates, l'exécution des exercices est précise. La position de départ, la trajectoire du mouvement et la position de fin. Apprendre à situer votre corps dans l'espace améliorera votre vie quotidienne en vous tenant mieux. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates et à mettre en place de bons alignements. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez vous. Vous pouvez tester la première séance de ce programme, vous avez simplement le lien ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également le lien ci-dessous vers le programme complet. Alors, le Pilates, c'est quoi? C'est une petite définition. Eh bien, c'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre.
on augmente la qualité de tous ses mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette, du tonus, une allure ferme et galbée. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous et remplissez le formulaire pour tester la première séance. Je vous dis à bientôt et bon entraînement. Ciao, ciao. Yeah.